Salut à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. On va vous présenter les E5 Gaz Gaz, donc les toutes nouvelles motos électriques pour les enfants. Voilà, des motos assez extraordinaires hein, que je vais vous présenter. Dis-moi, t'es prêt? Hein? On y va? Et maintenant, t'essayes de me suivre. Allez, on y va, go! Plus tu vois, t'achètes une 50. Bon, on a testé la moto. Tinoa, qui était avec moi ce matin, a roulé pour la première fois avec la E5 Gaz Gaz, donc la moto électrique. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir, donc je vais prendre un peu ses impressions. T'en as pensé quoi, Tinoa, de la moto? C'était bien, puisque c'était une Gaz Gaz, et puis elle va plus vite que la mienne. Ouais, et puis j'ai vu que t'allais vite avec la moto en plus. Ben oui, parce que je suis bien à l'aise. Bon, super. Et la puissance, t'en as pensé quoi, de la moto? Elle allait vite. Bon, non, les sensations sont bonnes. Un pilote qui roule pour la première fois sur une électrique et avec un retour positif. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses si on y retourne rouler un petit peu là? Ben, on va essayer de mettre beaucoup de gaz. Ouais, bah là, du gaz, tu vas pas pouvoir en mettre, hein, c'est de l'électrique. Mais bon, on va pouvoir aller vite. Allez, c'est parti, on y retourne. Bon allez, nous on y retourne. Tinoa par contre un peu moins vite parce que j'ai du mal à te suivre hein, quand même. Ben en plus j'étais pas à fond. Bon ben, mais pas à fond alors parce que je vais vraiment pas te suivre sinon. Allez, on y va? Go. Bon, maintenant qu'on a testé la Gaz Gaz, la E5, je vais vous la présenter plus en détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des spécificités sur cette moto. Notamment, comme toutes les motos électriques, vous le savez, il y a beaucoup moins d'entretien. Et ça, c'est quand même un gros plus aujourd'hui. Le seul entretien qu'il va y avoir, ça va être tendre la chaîne, on va dire en usure, la changer, couronne, des petites choses vraiment basiques. Mais on n'a pas de moteur, pas de filtre à faire, pas de mélange à mettre dans la moto. Alors c'est des petits plus parce que mine de rien, c'est les choses qui font faire des économies. Mis à part le moteur, la Gaz Gaz E5 fonctionne exactement comme une moto thermique. On a l'accélérateur à droite, le frein avant à droite et le frein arrière au pied.
Aujourd'hui, GazGaz fait confiance à 737 School. 737 School, c'est mon école de pilotage. On fait partie d'ailleurs de la E-Mini Academy. Voilà, c'est vrai que c'est des motos aujourd'hui qui sont très adaptées pour les écoles de pilotage. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plusieurs modes en vitesse. Donc il y a le mode 1, 2, 3. Et c'est vrai que moi, des pilotes débutants qui montent sur la moto, bah, je peux vraiment adapter la vitesse par rapport à leur progression durant la matinée, durant la journée ou autre. Et ça, c'est vraiment un plus. Surtout pour les mettre en sécurité et en confiance. Le système de fonctionnement de la moto, il est très simple. On a un petit bouton ici, on appuie donc à peu près 2 à 3 secondes. Comme on peut le voir, la moto se met en route. Donc cet endroit là, c'est les maps. On a plusieurs maps, donc map 1, 2, 3. La map 1, il y a deux systèmes de vitesse, c'est la map la plus rapide. Et voilà, c'est assez simple d'utilisation. Il y a un système aussi de sécurité pour les enfants. Donc on appuie vers l'avant, on entend ce bruit-là, et la moto, comme vous pouvez le voir, la moto se met en route. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, vous le savez, quand ils sont jeunes comme ça, souvent il y a des pertes d'équilibre, donc des petites chutes. Et ils ont du mal à redémarrer la moto. Là, il n'y a pas ce problème-là. La moto se met en sécurité généralement, il rappuie vers l'avant, on entend le bruit et la moto redémarre normalement. Donc ça c'est pareil, c'est un petit plus en tout cas pour les débutants et pour les jeunes pilotes. Alors on va parler de l'autonomie aussi. Donc l'autonomie dépend vraiment en fait du mode qu'on choisit. Forcément si on prend le mode le plus puissant, l'autonomie sera plus courte, donc environ 30 à 45 minutes. Par contre si vous choisissez le mode lent, là on est plus entre 1h30 et 2h de moto. Donc voilà, c'est pas mal pour une petite moto, je trouve. Voilà, moi dans les stages de l'école de pilotage, on fait entre 1h et 2h, la moto tient largement. Il faut compter entre 1h30 et un peu plus de 2h pour charger la moto. Donc elle se charge là, la batterie elle est à cet endroit là. Voilà, c'est assez simple aussi d'utilisation pour charger la batterie. Pour résumer, la moto E5 GazGaz, c'est une bonne moto. J'ai envie de dire pour les débutants, mais aussi pour les pilotes qui mettent un peu de gaz. Parce que c'est des motos qui sont bien suspendues, qui permettent de faire des bons sauts, qui ont aussi une bonne vitesse de pointe. Donc d'ailleurs, j'ai même été agréablement surpris, parce que le mode le plus puissant, ça on voit vraiment bien. Donc voilà, nous en tout cas on est content d'utiliser pour l'école de pilotage, elle est très bien adaptée. Et puis voilà, maintenant en tout cas n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi essayer la E5 avec l'école de pilotage 737 Performance, n'hésitez pas du coup à me contacter par mail à 737performancecool@gmail.com. Et puis il y a plusieurs petites sessions durant l'été et je serais ravi de vous faire essayer cette moto. J'en profite aussi pour vous parler de 737 Style, nos vêtements. On vient de recevoir donc des nouveaux produits et notamment cette veste sans manches, voilà, qui est disponible sur le site internet www.shop.737performance.fr. Voilà, n'oubliez pas, à partir de 80€ d'achat, il y a les frais de port offerts. En tout cas, on espère que vous allez être nombreux à les porter. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cet essai de la E5 GazGaz vous a plu. Et voilà, nous, on va continuer de l'utiliser en tout cas. À bientôt. Ciao, ciao.